Les mauvais rêves, comment les briser? Bien-aimés, bonjour, c'est l'évangéliste écrivain conférencier Élogique ici. Je suis très content de vous présenter encore ce nouveau numéro de Des mauvais rêves, comment les briser? Voilà, comme vous êtes en train de le constater, cela fait déjà plusieurs audios que je suis en train de faire pour ceux qui ont déjà écouté les premières notes vocaux. Mais cette fois-ci, de quoi est-ce que je voudrais parler? Je voudrais parler des rêves qu'il ne faut jamais négliger. Oui, bien-aimés, vous avez bien entendu, des rêves qu'il ne faut jamais négliger. Regardez ce que la parole de Dieu déclare en Ecclésiastes 5, versets 3 à 4. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Matthieu 2, verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Vous voyez, nous venons de voir deux versets bibliques qui parlent de deux différentes sortes de rêves. Ici, le livre d'Ecclésiastes 5, verset 3 nous parle des songes qui naissent de la multitude des occupations, c'est-à-dire des rêves que nous faisons suite à une préoccupation ou quand quelque chose nous a marqué dans la journée ou quand nous avions entendu quelque chose qui a eu de l'influence sur nous au point de se répéter dans notre vie en songe. Mais aussi, ici, Dieu parle des rêves d'avertissement. Bien-aimés, il y a aussi effectivement ce qu'on appelle les rêves d'avertissement. Malheureusement, tous les rêves sont confondus par les chrétiens et ils ne comprennent pas que chaque rêve a des buts ou bien chaque message que Dieu nous envoie demande de poser un certain nombre d'actions. Bien aimé, il y a des rêves qui s'opposent à votre bonheur ou il y a des rêves qui montrent que quelqu'un s'oppose à votre bonheur. Laissez-moi, pour mieux vous expliquer, vous donner un témoignage quand quelqu'un s'oppose à ton bonheur. Premier témoignage. Il y a des années de cela, un homme avait décidé de m'aider, mais apparemment, sa mère n'était pas d'accord. Cependant, pour ne pas le montrer visiblement au risque d'être accusé d'avoir empêché mon succès, elle procéda de manière mystique en coupant le contact entre son fils et moi. Comment s'est-elle prise pour atteindre son but? Après que la décision de m'aider fut annoncée, j'ai commencé à faire des rêves dans lesquels je voyais la mère de l'individu souhaitant m'aider me poursuivre. Elle me poursuivait toutes les nuits et je ne comprenais pas, mes nuits étaient agitées, je me débattais sur mon lit et je la voyais me poursuivre avec fureur. Un jour même, je suis même allé jusqu'à rêver en la voyant arrêter sur mon chemin avec un rhinocéros, un animal qui me poursuivait. Je me suis réveillé en sursaut, mais sans comprendre ce qui allait arriver. Bien-aimé, après que la décision de m'aider fut annoncée, c'est là que j'ai commencé à faire ce rêve horrible. Dans un autre rêve, elle me poursuivait pour m'arracher un téléphone cellulaire que je tenais en main. Au réveil, je n'avais pas compris la révélation. Bien-aimé, je n'avais même pas compris la révélation. Et j'ai commencé à subir les effets de ce rêve. L'homme en question décida de couper contact avec moi malgré toutes les promesses qu'il m'avait faites et les démarches que nous avions entamées dans le but de concrétiser ses désirs. Où s'est dit, ce n'est qu'après plusieurs années de violentes prières qu'il reprit contact avec moi sans même pouvoir se justifier sur le pourquoi pendant 12 ans, il ne voulait plus communiquer avec moi. Aujourd'hui, j'ai compris par ce rêve que le contact avec a été spirituellement coupé entre lui et moi pour que le projet ne s'accomplisse pas. Bien-aimé, l'ennemi n'a pas besoin de venir physiquement pour s'opposer à un mariage. Il peut seulement aller dans l'esprit de la personne manipulée pour introduire une autre personne. N'avez-vous jamais remarqué qu'un mariage vous était promis? Mais juste à la dernière minute, il y a eu des changements incroyables et c'est quelqu'un d'autre qui s'est marié à votre place. Dans certains cas, Dieu peut intervenir pour corriger des choix, mais dans d'autres cas,
le monde des ténèbres peut décourager les gens. Je connais une sœur qui allait présenter son blanc à sa famille au Cameroun. Au retour, c'est sa copine qui est devenue maintenant la femme du blanc et le blanc l'a laissé tomber. Bien-aimé, beaucoup de gens sont en train de vivre des choses. Ils font des rêves qu'il ne faut jamais négliger, mais qu'ils négligent tout de même. Frères et sœurs, il y a des rêves qu'il ne faut jamais négliger. Comme je vous l'ai dit depuis le début de ce programme, les rêves ne sont pas que des rêves, mais des messages de Dieu annonçant à l'homme les événements à venir. Si vous ne les comprenez pas ou ne savez pas comment les traiter, vous pouvez foncer tout droit dans un danger ou passer tout simplement à côté de votre destinée. Voici la raison pour laquelle, en négligeant leurs rêves, beaucoup de gens sont en retard dans la vie. En négligeant leurs rêves, beaucoup de gens se retrouvent dans l'impasse. En négligeant leurs rêves, beaucoup de gens sont volés, dépouillés et autres, alors que leurs rêves leur disent tout sur leur vie, leur passé et autres. Combien de fois vous êtes-vous vu dans le passé, en train de manger, d'avoir des rapports et autres? Combien de fois vous êtes-vous vu quand vous étiez encore tout petit, en classe, à l'école, dans le pays ou n'importe où d'autre? Et très souvent, certains se retrouvent dans un pays, dans des pays inconnus, dans des endroits qu'ils ne peuvent même pas décrire parce que ces endroits n'existent pas sur Terre. Ce qui veut dire que ce sont des gens dont l'esprit est emprisonné dans un monde perdu, dans un monde invisible, dans le monde astral. C'est-à-dire que le diable a réussi à les déplacer spirituellement. Ainsi, leur corps est sur terre, mais leur esprit est ailleurs, ou bien leur âme est en train de vivre une autre vie. Bien-aimés, les gens négligent leurs rêves ou ne les comprennent pas. Et très souvent, ce qui me fait mal, c'est de voir des gens qui tentent d'expliquer des rêves, mais qui aggravent la situation des gens. Une dame a écrit un livre des rêves. C'est pas pour la dénigrer, mais vraiment, ça m'a choqué. J'étais un peu intrigué, je voulais vraiment comprendre ce qu'elle a dit dans son livre. Et je regarde le résumé de son livre. Elle explique que dans un rêve, elle se voit toujours depuis qu'elle existe. Elle se voit toujours un homme couche avec elle, à côté d'elle, où l'homme est couché sur son lit. Mais elle voit deux enfants qu'il appelle toujours maman, maman, maman. C'est-à-dire que depuis un certain temps, les enfants sont petits, mais ils sont en train de grandir. Maman, maman, maman. Elle dit que depuis des années, ses rêves se répètent, frères et sœurs. Tellement le rêve se répète, elle a décidé d'écrire un livre dessus pour parler des rêves. Or, elle stipule bien dans son message que elle n'est pas mariée, elle n'a ni homme, ni enfant. Cependant, elle rêve toujours, elle a des enfants, elle a un homme et deux enfants qu'il appelle maman, maman. Dès qu'elle ferme les yeux, le même rêve se répète. Et elle sent qu'il y a un homme qui est couché sur son lit, elle voit pour souvent l'homme. Ne sachant pas que Dieu est en train de lui dire, voici pourquoi tu ne te maries pas, parce que tu es marié dans le monde spirituel à un démon, à un esprit qui prend l'apparence d'un homme, au point où même ce démon et toi, vous avez des enfants. Combien de gens font des rêves de ce genre qu'ils négligent? Des rêves dangereux. Ils sont mariés, ils ont des femmes, ils ont des gens, ils se voient des choses et autres. Frères et sœurs, il y a des rêves dangereux qu'il ne faut jamais négliger. Dans mon nouveau livre, Les mauvais rêves, comment les briser, j'ai pris le temps de vous expliquer cela. Voici pourquoi j'ai décidé de vous donner un petit bout de ce livre pour vous faire comprendre que, effectivement, il y a trop de choses que vous rêvez, vous voyez, que vous négligez. Mes frères, sœurs, vous qui m'écoutez, si ce rêve se répète, c'est parce que la chose doit être réglé. Si ce rêve se répète, c'est parce que Dieu vous parle. Si ce rêve se répète, c'est parce que c'est important pour vous de régler cela. Il y a ceux-là qui ne tiennent pas compte de ce que Dieu dit et qui veulent forcément imposer à Dieu ce qu'ils veulent. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont en train de prier pour une chose et Dieu leur dit ce qu'il y a de mieux pour eux. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour une chose et Dieu leur dit ce qu'elles méritent ou ce qu'elles doivent faire. Pour autant, les gens banalisent, ils balaient du revers de la main, ils négligent, ils ne font rien, ils ne disent rien, et puis ils sont là, ils jouent, et puis ils veulent que Dieu les bénisse. Non! Bien-aimé, notre urgence n'est pas la priorité de Dieu. Et la priorité de Dieu peut ne pas être notre urgence. Voici la raison pour laquelle tu es en train de prier pour avoir des bénédictions, des richesses et autres, mais Dieu va te dire quand tu es en danger, règle le problème du danger d'abord.
tu es bloqué, règle le problème du blocage d'abord. Tu ne parles pas avec quelqu'un, va régler le problème. Ou bien tu as quitté un copain, vous vous êtes disputé, vous ne vous êtes pas pardonné, une copine et autre. Mais tu continues de voir la copine, tu dis, mais pourquoi je continue de voir mon ex? Pourquoi je continue de voir mon ex? Ça peut aussi dire qu'il y a un problème entre vous que vous n'avez pas réglé. Cette relation aussi peut vous bloquer. Beaucoup de gens continuent de voir leur ex. Pourquoi? Parce qu'ils se sont séparés. Ils se sont séparés de manière brutale. Or, la Bible dit que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, Dieu aussi ne vous pardonne pas. Il y a ceux-là qui ont quitté des relations, des amours fracturées et fracassées, et dont les conflits sont encore vivants. On peut même sentir, mettez-les dans deux maisons. Même ces femmes-là qui mentent, oh oui, j'ai pardonné, j'ai oublié, c'est fini. C'est faux! Mets-les en présence de leur ex. Ils ne pourront pas parler convenablement. On sent que les blessures sont encore là. Il y en a même quand ils se souviennent de ça, ils insultent encore. Ils sont encore en colère. Ça les énerve. C'est lui-là ce qu'il m'a fait. Donc, quand tu es dans des cas comme ça, Dieu va toujours te révéler la personne. Pour dire qu'il y a des choses que vous vous êtes dites que vous n'avez pas encore annulées. Il y a des choses que vous vous êtes dites que vous n'avez pas encore pardonnées. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais quand il y a quelque chose forcément à régler ou quelque chose en lien avec ce que vous vivez ou vous subissez, le Seigneur va vous le montrer pour que vous puissiez dire « Ah Seigneur, si c'est à cause des paroles qu'on s'est dites, je me répands. Si c'est ce qu'on a fait, je me répands. Si c'est ça qui me bloque, je me répands. » Maintenant, si c'est dans un cas où Dieu montre que la personne fait partie des personnes, je ne sais quoi, tu dis à Dieu, il va t'éclaircir. Pourtant, il y a des gens qui font des rêves et qui ne le comprennent pas. Dans mon cas, quelqu'un était allé couper le contact. On m'arrache le téléphone cellulaire. Or, c'était le contact ou la communication entre la personne et moi qu'on nous avait arraché. Cela peut vous paraître absurde, hein? Mais de nos jours, beaucoup de personnes vivent les mêmes choses sans le savoir. C'est pourquoi certains individus résident sous le même toit, dans la même maison, mais ne s'adressent plus la parole. En effet, il existe des familles divisées, des couples où le silence règne. Ce sont des personnes qui ne se parlent pas correctement alors qu'elles vivent sous le même toit. Elles sont froides les uns envers les autres et répondent plus correctement aux questions que leur pose leur partenaire. Finalement, le désintéressement s'installe. Et si rien n'est fait, la relation commence à se dégrader juste à ce que tout vole en éclats. Selon mon expérience, je peux dire que cela n'arrive que lorsque la communication a été coupée entre deux personnes spirituellement. Et c'est ce qui fait que tout s'estompe à cause des blessures émotionnelles. Et pour réussir ce coup, le diable et ses agents vont faire quoi? Ils vont créer une déception à travers des disputes, des mésententes et des conflits ou en poussant la personne à faire ou à dire ce que vous n'aimez pas pour que votre cœur soit blessé. Et quand le cœur est blessé, la personne n'avance pas. Bien aimé, on a raconté une histoire que j'ai écoutée. Un homme l'a racontée et il a dit qu'il y avait un rabbin à New York que deux individus étaient allés voir. Quelle est l'histoire des deux individus? C'était des gens qui se sont vraiment affrontés au collège. Vous voyez, au collège, les gens veulent se faire voir. Bon, pour ceux qui sont déjà allés au collège, ils veulent se faire voir. Ils veulent, c'est du matu vu, quoi. On veut la meilleure femme, on veut jouer, on veut gagner et autres. Et ils étaient allés à un match quelque part et ils se sont affrontés et autres. Et puis finalement, les deux amis ou les deux ennemis jurés se sont insultés en se promettant de ne jamais se pardonner. L'autre dit, je ne te pardonnerai jamais. Oh, l'autre aussi dit, ok, d'accord, si tu veux, tu vas au diable. Moi aussi, je ne te pardonnerai jamais. Sans savoir qu'ils venaient de sceller leur sort. Chacun allait de son côté. Et cela a duré plusieurs années. Et il y a un qui ne parvenait pas à avoir d'enfant. Ils sont allés faire tous les tests de fertilité. Tout porte à croire qu'ils doivent avoir d'enfant. Sa femme n'a aucun problème, lui n'a aucun problème. Et la relation dans le couple se dégradait de plus en plus car, tout comme moi, vous savez qu'une femme qui n'a pas d'enfant et qui voit d'autres personnes marcher avec leurs enfants dans la rue, même si son homme lui donnait tous les milliards du monde, elle serait toujours malheureuse parce qu'elle a envie d'avoir un enfant. Pareillement, un père qui veut un héritier ou une héritière aurait aimé avoir un enfant. Et cela dégradait leur relation parce que on peut tout avoir dans la maison, mais quand on pense à l'idée de ne pas avoir d'héritier, cela révolte, rend triste et autres. Parfois, on peut s'asseoir et puis les larmes coulent sans raison valable. Le monsieur peut te consoler pour dire non, ça va aller. Ou la femme peut consoler en disant non, ça ira. Mais nous savons que tant que ça ne va pas, on n'est pas heureux. Alors le monsieur, en cherchant à comprendre, va aller consulter le rabbin pour lui dire, je ne comprends pas. Tous les tests de fertilité disent que nous pouvons avoir un enfant.
tous les tests de fertilité disent que nous avons le droit d'avoir un enfant. On a tout pour avoir un enfant, mais on n'a pas d'enfant et on est malheureux. Le rabbin l'a regardé, inspiré par Dieu, va lui dire, il n'y a pas de bénédiction là où il y a un conflit. Il réfléchit, il dit, non mais j'ai pas de conflit avec ma femme, on s'entend bien, on s'aime bien, tout va bien, on se dispute pas, on s'entend, ma femme est une personne douce, elle est gentille, elle est sympa et autres. Le rabbin lui a dit, monsieur, réfléchissez, il n'y a pas de bénédiction là où il y a un conflit. Alors, intrigué par cette réponse, le rabbin n'a plus donné d'autres explications. Il lui a dit, va et réfléchis. C'est en cela que, lorsque le gars est allé à la maison, il a passé le temps à réfléchir. Mais avec qui est-ce que j'ai eu un conflit? Avec qui? Il dit, oh mon Dieu! Il y a des années de cela, cet ami et moi, on s'est affronté, on s'est promis de ne jamais se pardonner. Alors, il va chercher à retrouver son ami. Il fouille partout et il le trouve finalement. Il sait où le gars arrive. Il prend son adresse avec les informations à travers les amis et autres. Un jour, il arrive chez le gars. Il sonne à la porte et le gars ouvre. Bien-aimé, bien que les années fussent passées, la tension était encore vive dans le cœur de cet homme, comme si c'était hier. Qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? Dégage, disparais de ma vue avant que je t'enfonce. Il dit non. Je ne suis pas venu pour t'affronter, pour te faire des histoires. Alors tu viens chercher quoi chez moi? Oh oui, je ne veux pas te recevoir. Il dit non, mais écoute-moi. À cause de cette affaire, je n'arrive même pas à avoir d'enfant. Je n'arrive même pas à enfanter. Ne pouvons-nous pas mettre nos différends de côté? Le gars dit quoi? Tu dis quoi? À cause de cette affaire, tu n'arrives pas à avoir d'enfant? Mais mon Dieu, moi aussi, ma femme et moi, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Depuis des années, on est mariés. On a fait des tests de fertilité. Les gens nous disent que tout va bien, mais on n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc toi aussi, oh mon Dieu. C'est là qu'ils ont compris que des petites paroles qui se sont lancées en l'air, en jurant de ne jamais se pardonner, ont bloqué leur destinée. Bien-aimé, je ne sais pas avec qui tu étais en conflit dans le passé, en jurant de ne jamais lui pardonner. Ou bien peut-être que tu ne l'as pas juré, mais tu l'as résolu dans ton cœur. La parole de Dieu déclare, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Et quand la Bible dit que Dieu ne te pardonnera pas, ce n'est pas une bénédiction qui va te donner. Un sage a dit, garder la rancune contre quelqu'un, c'est comme boire du poison en espérant que celui que tu en veux meure, alors que c'est toi-même qui en souffre et qui est en train de te détruire. Frère, vous avez compris maintenant pourquoi parfois vous priez, mais Dieu vous montre le passé, les gens avec qui vous avez été et autres. Cependant, vous voyez ces choses et vous les négligez, vous les banalisez, vous ne les considérez pas. Avec ça, vous êtes en train de prier, oh Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Très souvent, les gens ne comprennent pas leur rêve. Laissez-moi vous rendre un témoignage. Il y a des années de cela, une très gentille femme qui a priori ne voulait de mal à personne a vu un membre de sa famille monter sur le toit du couple conjugal pour fermer un robinet qui coulait, un robinet d'eau propre qui coulait sur la toiture, qui coulait bien sur la toiture de la maison. Depuis ce jour, son union légitime a été brisée parce que son mariage a été fermé et verrouillé depuis le monde spirituel. Mais elle n'a pas su comment il fallait prier contre ce rêve. Bien-aimée, la gentille femme qui n'a fait de mal à personne dit, depuis lors, elle ne s'est plus jamais mariée. Parce que plus aucun homme ne l'a désiré ni approché pour lui faire des propositions allant dans le sens d'une vie commune à deux. Aujourd'hui, son témoignage m'a permis de comprendre que elle a négligé ce rêve. Cela fait plus de 20 ans. Le robinet qui avait été fermé en rêve signifiait que sa source de bonheur, parfois ce sont les finances, les bénédictions et autres, la preuve, depuis que ce rêve est survenu, sa vie a chamboulé. Bien-aimé, il y a des rêves qu'il ne faut pas négliger. Peut-être que pendant que je suis en train de vous parler, vous faites partie de ceux-là qui font des rêves et qui ne les comprennent pas. Ou bien vous les avez expliqués aux gens, mais ils n'ont pas su vraiment vous donner
une explication correcte. Ou même si certains ont eu le don de vous expliquer de manière correcte que ce rêve voulait dire ci et ça, un défi de taille s'est posé. Que dois-je faire? Ou ils vous ont tout simplement dit, il faut prier. Prier dans le vide sans rien comprendre. Prier sans avoir le discernement. Prier sans faire quoi? Sans avoir d'orientation. Tu as prié, 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 prié. Mais étonnamment, le même rêve revient toujours. Comme quoi pour te dire, le problème n'a pas encore été réglé. Parce qu'une fois qu'un problème est réglé, Dieu ne nous parle pas de la même façon. Il nous parle d'autre chose. Comme cette dame, peut-être que vous aussi vous faites un rêve qui se répète, que vous négligez. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on y prend point garde. La Bible dit qu'il parle pour détourner l'homme du mal. Il parle pour protéger l'homme. Il parle pour l'avertir. Et parfois, c'est pour nous protéger de la mort, des dangers de mort. Comment donc pouvez-vous être béni si vous négligez vos rêves ou vous passez là-dessus avec des petites prières qui parfois ne touchent même pas leur but? N'oubliez pas, vos rêves ne sont pas que des rêves, mais des messages de Dieu annonçant à l'homme des événements à venir. Si vous ne les comprenez pas, si vous les négligez, si vous les banalisez, si vous faites comme si de rien n'était, si vous voulez demander un milliard à Dieu, il vous ramènera au point de départ. Combien de fois étiez-vous en train de prier, 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 mais Dieu vous révèle toujours la même chose. Parce que bien aimé, il y a des rêves qu'il ne faut jamais négliger. Faites-vous des rêves que vous ne comprenez pas? Vivez-vous des choses que vous ne comprenez pas? La même chose se répète encore et encore, encore et encore. L'ennemi se permet de tout faire. On vous a volé un rêve, bien aimé. Si on t'a volé un rêve, tu n'auras rien dans la vie si ce problème n'est pas réglé. Or, pour récupérer ce qu'on t'a volé, il faut des bonnes prières. Il faut des prières de récupération. Or, depuis que tu vas à l'église, as-tu des coups par rapport à la prière? D'habitude, on donne les points de prière, puis tout le monde se met à prier. Vrai ou faux? Parfois même, tu ne comprends même pas bien, mais tu pries quand même. Donc, c'est une façon de vous dire que nos rêves nous disent beaucoup. Parfois, nos rêves révèlent notre état sur le plan spirituel, mais exposent aussi des choses à venir. L'une des choses, bien aimé, je précise bien, l'une des choses que nous constatons très régulièrement est de se voir emprisonné ou retenu quelque part en rêve. Mais sans savoir ce qui s'est réellement passé, pour que nous nous retrouvions dans cette condition. Il est bien de briser les mauvais rêves, bien-aimés, mais il y a des cas dans lesquels certains rêves n'ont pas besoin d'être brisés ou annulés. Mais il nous appelle à prendre, à entreprendre des actions. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une circonstance d'où le Seigneur vous invite à prier sérieusement pour délivrer votre âme d'une prison, briser ce rêve ne servira à rien. Je le répète, si vous vous retrouvez dans un trou, si vous vous retrouvez dans une situation, briser ce rêve ne servira à rien. La Bible dit, il envoya sa parole et les fit échapper de la fosse. Donc dans ces cas, ce que vous devez demander à Dieu, c'est une parole de connaissance, une révélation. Une parole, une révélation. Voici pourquoi il dit, invoque-moi, je te montrerai des choses profondes et cachées. Je te délivrerai, tu me glorifieras. C'est la révélation qui permet de délivrer. Voici pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment donc, bien-aimé, pouvez-vous être délivré si vous ne comprenez rien ou si vous négligez vos rêves? Les mauvais rêves, comment les briser, est un livre extraordinaire. La preuve, il vous permet de comprendre des choses sur les rêves que jamais quelqu'un vous a expliqué. Bien-aimé, ne jouez pas avec vos rêves. Il y a aussi des cas dans lesquels certains rêves n'ont pas besoin d'être brisés ou annulés, comme je vous le dis. Par exemple, si vous faites un rêve, vous avez vu des excréments, vous êtes tout le temps au village, vous êtes dans un monde où vous ne connaissez pas. Bien aimé, la seule chose que l'on doit faire, doit briser, ce sont les programmes de mort, les dangers, les rêves violents, les attaques et autres. Mais, bien aimé, il y a des choses que tu dois détruire. Il y a des âmes que tu dois détruire. Ésaïe 54, 14 dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien aimé, la Bible dit que si quelqu'un se ligue contre toi, il tombera. Il y a des moments aussi où si tu fais des mauvais rêves, tu dois demander à Dieu de faire tomber ceux-là qui se sont élevés contre toi. Il dit quoi? Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Répète avec moi, Seigneur, que tous ceux-là qui se sont élevés contre moi, qui se sont ligués contre moi, tombent dans leur propre piège, qu'ils soient pris dans leur propre piège.
au nom de Jésus. Il est écrit, quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Je soumets mes ennemis, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils tombent dans leur propre ruse, qu'ils soient renversés au nom de Jésus. Seigneur, renverse et bannis de ma vie la peur, l'inquiétude. Bannis de ma vie la peur et l'inquiétude. Oui, Seigneur, bannis de ma vie la peur et l'inquiétude. Oui, Seigneur, bannis de mon âme, bannis de ma vie les confusions. Bannis de ma maison les confusions. Bannis de mon entourage la distraction. Au nom de Jésus, que tous ceux-là qui se sont élevés contre moi tombent sous mon pouvoir. Qu'ils tombent, qu'ils soient renversés, que leur plan soit détruit, qu'ils tombent. Oui, Seigneur, je brise toutes les armes qu'ils ont forgées contre moi. Je brise tous les projets qu'ils ont forgés. Oui, la parole de Dieu déclare, si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Que mes ennemis tombent, je brise les armes, je brise les projets, je brise les affaires, je brise tout ce qu'ils ont entrepris contre moi et j'annule tout au nom de Jésus. C'est que ça a été plutôt rapide, hein? Mais c'était pour vous donner une vision par rapport à la façon dont vous devez voir la prière et agir et prier. Bien-aimé, c'était pour vous donner une indication. Très souvent, certaines personnes disent, lorsqu'elles font des rêves, que ceux-ci ne s'accomplissent pas. Mais lorsqu'elles font des mauvais rêves, ceux-ci s'accomplissent. Parfois, c'est dans un bref délai. Je me suis penché sur la question afin d'apporter des éclaircissements. Voici ce que j'ai découvert. Le fait que tu vois des choses qui s'accomplissent, ou bien les gens prient, mais c'est le contraire de ce qu'ils voient qui s'accomplissent. Bien aimé, c'est que parfois ils ne cherchent pas à comprendre leurs rêves. Ils prient seulement et ça s'accomplit. Alors que le diable, il est malin. Il sait comment faire pour que le rêve s'accomplisse, que ses projets s'accomplissent. Or, les chrétiens n'ont pas d'orientation dans la prière. Ils ne savent pas comment faire pour que certaines choses ne s'accomplissent pas. Bien aimé, il y a des situations dans lesquelles, quand tu es en danger, tout ce que tu dois faire, c'est dédier à Dieu. Empêche-moi d'aller au mauvais endroit et au mauvais moment afin de ne pas me retrouver dans les mauvaises circonstances. Parce que de la même façon dont Dieu parle et fait les choses par les temps et des circonstances, nous savons aussi que le diable et ses agents aussi créent des circonstances. Voici pourquoi parfois vous êtes retrouvés aux endroits où vous ne devriez pas, à la rencontre des gens que vous ne devriez pas, dans les malheurs, dans les problèmes et autres, sans savoir même pourquoi vous êtes allé là-bas, pourquoi vous êtes retrouvés là-bas. Or, il y a des rêves dans lesquels Dieu montre qu'il faut prier pour que tu ne te retrouves jamais entre les mains de tes ennemis. Il faut prier pour que tu ne tombes pas dans les pièges. Parce qu'eux, ils vont t'attirer dans leurs pièges. Ils vont t'amadouer. Ils vont te manipuler. Ils vont t'induire en erreur. Or, il y a des rêves dangereux dans lesquels tu pries. Tu dis à Dieu, oh, j'ai fait un accident quelque part en rêve. Je prie pour que cet accident ne s'accomplisse pas. Je vais vous donner un témoignage que j'ai déjà donné. Bien-aimé, il y a des années de cela, j'avais voyagé et j'avais vu un compagnon de voyage avec qui j'avais causé. Vous savez, quand tu fais un voyage de 12 heures, un voyage de 8 heures, un voyage de combien d'heures, c'est sûr que parfois, ton compagnon à côté, toi, vous allez échanger, vous allez prendre contact, vous allez devenir des compagnons de voyage et puis bon, vous allez garder le contact. C'est ainsi qu'un gars avec qui j'avais voyagé en direction du Ghana, et moi, on avait échangé des contacts et puis on avait parlé de nos projets, de nos rêves d'aller aux États-Unis et autres. Bien-aimés, le diable sait tout sur nos vies. Hein? Voici pourquoi parfois il va soulever vos anciens copains pour venir vous tromper en rêve. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut prier. Alors, plus de 6 mois après, j'étais là et puis mon téléphone sonne. Allô, Éloge. Bonjour, est-ce que tu te souviens de moi? C'est ton compagnon de voyage, on avait parlé des voyages des États-Unis. Et puis il me dit, j'ai une affaire très importante pour toi. Je voudrais que tu me trouves à Petro Ivoire, à Yopougon en Côte d'Ivoire. Tu me trouves. Donc, il dit, je te rappelle dans tel nombre de temps. Et puis quand il a raccroché, il dit, mais Seigneur, après 6 mois, alors que j'ai fait des cauchemars tous les jours, des mauvais rêves tous les jours, hey, Seigneur, après 6 mois. Et puis je me suis mis là à prier, dit Seigneur, ce monsieur-là, si c'est lui, si c'est toi qui l'as envoyé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais en sorte que ce qu'il a dit s'accomplisse. Mais si c'est le diable et ses agents, si c'est la sorcellerie qui veut me piéger, j'ai détruit ce piège, qu'il ne m'appelle plus.
Voici comment j'ai prié. Bien-aimé, voilà ce qui va se passer. J'ai demandé à Dieu de faire en sorte que je n'aille jamais au mauvais endroit et au bon au moment où, à l'endroit où l'ennemi m'a piégé. Toujours j'ai prié et dit, Seigneur, je ne veux pas me retrouver au mauvais endroit, dans la mauvaise circonstance, avec les mauvaises personnes. Seigneur, je vais toujours être au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes circonstances, pour rencontrer les bonnes personnes afin de saisir mes opportunités. Un jour, un soir, un frère se présente, il me dit, Éloge, il s'appelle Bakassa, il est même vivant, il peut témoigner. Éloge, je n'ai pas d'argent et j'ai besoin de ta voiture, ton taxi pour conduire. J'ai dit, Bak, c'est rien, va conduire, moi ça ne me dérange pas. Et puis je lui ai donné le taxi. Bien-aimé, je venais d'échapper à la mort. Vous vous souvenez, le monsieur m'avait donné rendez-vous au Petro Ivoire de la Côte d'Ivoire à Yopougon. Il y a des gens qui connaissent cet endroit pour ceux qui ont fait Yopougon, qui sont en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, à 20h, une grande joie m'a animé. Frères et sœurs, à 20h, j'étais content, mais je ne sais pas. Je voulais crier, je voulais dire Alléluia, je ne sais pas, mais tout à coup. Et puis quelques minutes après, je vois Natacha et Célestine qui sont les frères et sœurs, qui sont les sœurs, pardon, du chauffeur qui est venu prendre ma voiture. Elles sont venues avec un air triste. Éloge, on peut te parler? J'ai dit, mais allez-y, je vous écoute comme toujours avec un air de plaisantin. Elles disent, non, c'est sérieux. On veut te voir. Elles m'ont prise pour aller dehors. Éloge, Bakassa vient de faire un accident. Bien-aimé, j'étais dépassé. Elles m'ont dit, la voiture est irrécupérable. Les policiers qui ont fait le constat disent la voiture est en épave, c'est-à-dire la voiture est totalement froissée. Mais fort heureusement, les gens qui étaient dans la voiture, il y avait 4 personnes plus le chauffeur, n'ont pas été blessés. Pourquoi ils n'ont pas été blessés? Ce n'était pas eux qui devraient mourir, c'était moi. Étonnamment, je leur demande, où est-ce que l'accident a eu lieu? Ils ont dit, au Petro Ivoire, de Yopougon, Niangon. Waouh! Je me suis souvenu, il y a quelque temps de cela, un homme m'avait donné rendez-vous à ce lieu. Et j'ai dit à Dieu, ne me permets jamais d'aller au mauvais endroit. Bien-aimé, je me rends compte que Dieu avait entendu ma prière. S'il n'avait pas intervenu, je ne serais pas là en train de vous parler. S'il vous plaît, quoi qu'il arrive, priez. Dieu merci, l'ami en question n'a pas été blessé. Mais suite à cela, j'ai eu tellement de problèmes. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir épargné. Ma petite prière que je lui avais adressée, il avait exaucé cela. Frère, si j'avais négligé mes rêves, vous ne m'auriez pas connu. Mais ce qui m'a poussé à me poser des questions, qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens souhaitent de me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, ils ont pris quelqu'un pour m'attirer à ce lieu. Ça n'a pas marché. Mais ils n'ont pas renoncé. Hein? Quelques mois après, quelqu'un d'autre va aller faire un accident à ma place. Vous savez comment ça s'est passé? Le gars dit qu'il était en train de conduire. Tout à coup, il y a 2 véhicules de transport en commun qui étaient en train de faire une course. Les 2 véhicules voulaient se dépasser. Or, comme la voie était petite, l'autre véhicule qui accélérait à fond est venu prendre la voie en sens inverse où l'ami était. Il a percuté de plein fouet. Bah! La voiture a été transportée sur plus de 10 mètres et sortie de la route pour aller se retrouver dans un caniveau. Avec des tonneaux, la voiture a roulé et s'est calée là. Frères et sœurs, quelque temps après, Dieu me dit que l'ennemi est revenu à la charge. Je suis dans un véhicule, dans un quartier où on m'a tiré une balle à 2 reprises dans la tête. Bah, bah! C'était une balle que j'avais reçue. Un rêve dangereux. J'ai commencé à l'annuler. Et là maintenant, un jour, je prends un véhicule.
pour Yopougon Koweït, toujours en Côte d'Ivoire, pour aller dans la salle d'entraînement. Mais étrangement, le samedi, j'avais appelé l'un de mes collègues et puis je lui ai dit, je ne sais pas ce qui arrive, mais mon cœur bat. Le samedi soir, la veille en fait, j'étais là et puis mes larmes coulaient. J'avais un ami togolais qui s'appelait Tokbavi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Tokbavi, je ne sais pas. Je suis là et puis tout à coup, mes larmes veulent couler. C'est comme si on m'a annoncé un malheur. C'est comme s'il y avait un danger. Bien aimé, le Seigneur avait vu que j'étais en danger. Il y a une servante de Dieu qui dit qu'ils ont programmé un accident contre toi. Bien aimé, après avoir reçu 2 balles dans la tête, ces 2 balles j'ai reçu, je ne me suis pas vu en train de faire un accident. 2 balles dans la tête, alors qu'on m'avait déjà exécuté. Et maintenant, ils ont créé la circonstance pour que je meure. Frères et sœurs, vous allez savoir ce qui s'est passé. Je prends le véhicule, je monte dedans. D'habitude, pour Yopougon Koweït, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, de Yopougon Jean-Paul II jusqu'au Yopougon Koweït, c'est très long. Pour avoir un taxi, il faut être 3 ou 4 personnes pour que le chauffeur accepte de partir. Mais comme ce jour-là, l'ennemi avait décidé que c'était le jour de ma mort, qu'est-ce qui va se passer? J'arrête le taxi, je suis seul. Hein. Le chauffeur n'a même pas réfléchi d'y monter. Moi, j'étais étonné. Dit, yeah! Moi, taxi, pour aller au sport. Pendant qu'on arrive devant le 19e arrondissement de Yopougon Toit Rouge, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au carrefour, à distance, on voit un militaire et un policier qui se battaient. Maintenant, le militaire monte dans le véhicule et lui dit va écraser la femme du policier qui avait un bébé au dos. Bien, vous voyez comment Satan peut utiliser les gens. Et maintenant, quand il était en train de démarrer pour accélérer la voiture, notre voiture arrivait. Lui, il était dans un 4x4. Un 4x4. Et je voyais la femme qui criait à distance. Wouh, wouh, wouh. Jusqu'à elle est tombée de côté. Donc, le monsieur, dans sa colère, n'a pas pu l'écraser. Mais tellement il a enfoncé le véhicule en marche arrière. Exactement au moment où j'arrive, où on a tiré dans ma tête à 2 reprises en rêve, il y a des semaines de cela, j'entends la voix de Dieu qui me dit, couche-toi, il va vous percuter. Le gars a percuté le taxi qui me transportait exactement au côté passager où j'étais assis. Les verres ont été projetés sur moi, mais je n'ai pas été blessé parce que Dieu m'a averti. Alors le gars démarre, mais mon taxi pouvait rouler encore. Le taxi, le chauffeur pouvait le poursuivre. Donc on l'a poursuivi, il a fui. Jusqu'à ce qu'il s'arrête quelque part. Et le gars descend, il dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Le chauffeur de taxi même lui demande, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il dit, je ne sais pas. Mais moi, je savais ce qui venait de se passer. Quelques semaines déjà, j'avais déjà rêvé. J'avais déjà vu un rêve. C'était un rêve dangereux. Mais bien aimé, je ne l'ai pas négligé. Je rends gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'ai été vraiment pris d'émotion parce que vraiment, je vois que le Seigneur a toujours veillé sur moi. Et toi, as-tu fait un rêve dangereux que tu es en train de négliger? Est-ce parce que tu ne comprends pas le rêve? Est-ce parce que tu n'as pas la force? Je voudrais que vous sachiez que les rêves, il y a des rêves qui sont dangereux qu'il ne faut jamais négliger. Il y a des rêves qui appellent à entreprendre des actions immédiates. Pourtant, certains préfèrent accumuler leurs rêves et voient des choses qui se passent alors qu'ils les ont déjà vécues en rêve et ils en ont été déjà avertis. Comme nous venons de le voir, il faut chercher à comprendre le sens de nos rêves et les traiter selon leur nature. Par contre, il y a des rêves qui n'ont pas besoin d'explication pour être compris. Ils doivent être traités sur le champ selon leur nature. Par exemple, si vous faites un accident grave en rêve ou si vous faites un rêve dans lequel on vous tire dessus, vous devez prendre des mesures immédiates. Mais pourquoi est-ce que vous allez prendre maintenant le temps? Oh pasteur, on a tiré sur moi en rêve, qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi, tu sais déjà ce que ça veut dire. Pareillement, si vous vous réveillez après une paralysie de sommeil provoquée par les démons dans lesquels vous avez failli perdre la vie, il vous a fallu la grâce de Dieu pour revenir à la vie, étant donné que vous aviez failli perdre le souffle de vie durant votre sommeil. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ces rêves? Il y a des gens qui dorment, ils sont bloqués, ils sont paralysés sur leurs livres, cloués. L'ennemi les étouffe, l'ennemi tente de leur arracher leur âme. On tente de les exécuter, de les tuer pendant leur sommeil. Et ils se réveillent, ils ont le temps d'aller expliquer ça au pasteur. Ces rêves-là n'ont pas besoin d'être expliqués. En effet, ce genre d'attaque montre visiblement que quelqu'un cherche à vous éliminer ou à vous nuire. Et tout le monde ne comprend pas facilement ses rêves.
Mais beaucoup de gens négligent leurs rêves. Faisons une petite pause, vous allez voir. Job 33, 15, 24. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont endormis sur leur couche, alors, la Bible déclare, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. La Bible déclare que Dieu parle pour nous protéger. Il y a des rêves à ne pas négliger. Faisons une petite pause encore avant de continuer. Voyons de près ce que dit le verset 19 au 23 de Job 33. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte vient t'agiter, la Bible dit quoi? Quand une lutte vient agiter ses os. Donc vous venez de comprendre que Dieu dit dans sa parole, quand une lutte vient agiter ses os. Au verset 20, il est écrit, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Et au 22, Dieu dit, son âme approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Bien-aimé, avez-vous déjà vécu ces événements d'où vous étiez cloué en rêve, paralysé, neutralisé, étouffé, vous criez, pas de moyens, vous bougez, pas de moyens. Il vous a fallu l'aide de Dieu pour que vous vous dégagez, soit parfois en disant Jésus, le feu, en priant, Seigneur, au secours. Finalement, vous vous êtes levé. Mais la Bible déclare que ce sont des choses qui arrivent quand le diable envoie un messager de la mort, l'esprit de mort. Vous voulez que je vous répète? La Bible dit, son âme approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Pourtant, comme vous venez de le voir, beaucoup de gens font des rêves horribles et refusent de les traiter. Si, pendant que je suis en train de vous expliquer, vous aussi vous vous rendez compte avoir vécu des rêves terribles, des choses horribles que Dieu aimerait que vous traitiez, que vous avez banalisé, comme vous ne vous en souvenez pas, vous croyez que c'est fini. Non, non. Très souvent, Dieu vous rappelle les mêmes choses pour vous dire qu'il faut que la plaie soit traitée, le problème soit réglé. Frères et sœurs, comme vous venez de le voir, j'ai pris le temps de vous expliquer les choses en détail. Comme vous le voyez, ces attaques que nous expérimentons souvent sont déjà décrites dans la Bible. Ce sont des choses qui n'arrivent que lorsque un messager de la mort est envoyé contre une personne durant son sommeil. Certains ont succombé à ces attaques, d'où le fait qu'ils se sont endormis sur leur couche, mais ne se sont plus réveillés. Quand l'ennemi t'a loupé comme ça, cela ne veut pas dire qu'il a abandonné, il va revenir. Ne vous êtes-vous jamais rendu compte que très souvent vous avez reçu ces mêmes attaques? Ils attendent un moment, 2 ans, 1 an, 3 mois, 3 semaines, cela revient parce qu'ils ont un plan pour vous. À l'instant même, je détruis tout projet de Satan concernant votre vie, au nom de Jésus. Répétez avec moi, tout projet d'assassinat du diable et ses agents contre moi soit brisé au nom de Jésus. Tout projet d'assassinat, tout projet d'élimination, tout projet de suppression du monde des ténèbres contre moi soit brisé au nom de Jésus. Que tout démon qui a été envoyé dans mon sommeil, dans mon rêve, pour me tuer, soit lié, soit enchaîné, soit paralysé et chassé. Que tout démon qui a été envoyé pour me tuer dans mon sommeil soit chassé au nom de Jésus. Vous avez probablement vécu ce genre d'attaque ou entendu une histoire similaire. Sur ces entrefaites, bien-aimés, si vous faites de pareils rêves, vous devez immédiatement prier sans attendre pour votre protection. Arrêtez de jouer avec votre vie et de vous promener derrière les pasteurs. Très souvent, ils n'ont pas le temps de bien régler vos problèmes parce que c'est à vous de les régler. Si c'était à quelqu'un d'autre que Dieu voulait confier votre responsabilité, il n'allait pas vous parler. Si Dieu vous parle, c'est parce que vous avez la capacité à gérer certaines choses. Bien-aimés, priez sérieusement pour votre protection. Ne le faites pas seulement le jour où vous aviez été oppressé, car ces attaques sont le résultat d'un projet de vos ennemis qui ont formé des complots pour vous détruire. Dès lors, même s'ils ont échoué,
ils attendront que vous manquiez de vigilance pour revenir. C'est pourquoi certains ont déjà été victimes d'attaques de cauchemars, parfois de manière simultanée, la même nuit ou de manière séparée, à un moment où ils ne s'y attendaient pas. Bien-aimés, mais lorsque vous voyez ces choses que vous ne comprenez pas, je vous conseille d'agir plus sagement, car certains rêves peuvent dire l'inverse de ce que vous voyez. Alors, j'espère que cet enseignement vous a fait du bien, ok? Et que vraiment, c'était pour vous l'occasion de demander à Dieu d'avoir le discernement, parce que depuis des années, il vous parle. Il vous parle, il vous parle, il vous parle. Alors, cherchez à avoir le discernement. C'est le mal qu'il faut détruire, car le mot rêve est une disposition de l'esprit généralement nocturne survenant au cours du sommeil. Ce qui procure à la personne éveillée des souvenirs de ce que son esprit a vu dans le monde spirituel. Mais si vous voulez prier, vous devez chercher d'abord à comprendre le sens de ce que vous avez vu. Peut-être que vous allez dire, homme de Dieu, je rêve mais je ne comprends pas. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce nouveau livre, Les mauvais rêves, comment les briser. Bien-aimés, nous venons de parler des rêves dangereux à ne jamais négliger. Peut-être que vous aussi, vous avez fait un rêve dangereux que vous êtes en train de négliger. Bien-aimés, je demande vraiment que Dieu vous donne le discernement, parce que en jouant avec ces choses, qu'est-ce qui va arriver d'autre? Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Parfois, Dieu nous donne les clés, les clés, les clés, les clés, les clés. Mais nous les négligeons. Il y a même ceux-là qui font des rêves d'initiation. On est en train de leur donner la sorcellerie à travers la nourriture. On est en train de les initier. Ils se voient à des cérémonies, mais ils ne les comprennent pas. La parole de Dieu déclare en Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. La Bible dit, nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. Job 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Bien-aimés, l'ennemi ne voudrait même pas que vous sachiez des choses, mais vous avez la chance aujourd'hui de les détruire. 2 Corinthiens 6, 14 dit ceci. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà, bien-aimés, pourquoi je vous invite à détruire les œuvres de l'ennemi. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons commencer la prière. Mais s'il vous plaît, ne négligez pas cet enseignement, parce que j'ai vraiment pris le temps pour le faire. Nous sommes déjà à la 47e minute de notre enseignement. Imaginez avec quelle détermination je suis engagé à aider les enfants de Dieu. Bien-aimés, voici l'occasion pour toi de briser les mauvais rêves. N'oubliez pas, vos rêves ne sont pas que des rêves. Ce sont des messages venant de Dieu, annonçant ce qui doit arriver dans votre vie et ce que vous devez faire. Si vous ne les comprenez pas ou les négligez, si vous ne savez pas comment les briser, bien-aimés, c'est sûr que vous allez vraiment vous mordre les doigts. Très souvent, Dieu vous a déjà annoncé des grandes bénédictions pour lesquelles vous ne savez pas encore prier. Voici pourquoi je vous invite à vous procurer le livre « Les mauvais rêves, comment les briser ?» Bien-aimés, nous allons briser les rêves d'initiation, qui sont aussi des rêves dangereux. Prions. Répétez ceci avec moi. Seigneur, merci pour l'occasion que tu me donnes d'apprendre sur les rêves. Aujourd'hui, je prie pour la destruction des œuvres de l'ennemi. Je brise tout rite satanique préparé dans le monde des ténèbres pour me consacrer, et je l'annule et le condamne à échouer au nom de Jésus. Je détruis toute cérémonie d'investiture satanique pratiquée sur moi et j'annule sa conséquence et la condamne à échouer au nom de Jésus. Je brise tout rêve dangereux qui combat mes destinées et j'annule ce qu'il a provoqué au nom de Jésus. Je brise tout malheur qui plane sur ma vie depuis des années et je l'annule au nom de Jésus. Je consume toute nourriture satanique qui m'a été donnée à avaler et j'annule son pouvoir au nom de Jésus. Je brise tout rêve de mort et je supprime sa date d'accomplissement et annule la circonstance de son accomplissement au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, conduis-moi toujours au bon endroit
et au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes dans la bonne circonstance au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduis-moi au bon endroit et au bon moment pour rencontrer les bonnes personnes dans la bonne circonstance au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduis-moi toujours au bon endroit, au bon moment, dans la bonne circonstance pour rencontrer les bonnes personnes afin de saisir les opportunités au nom de Jésus. Saint-Esprit, empêche-moi de me retrouver au mauvais moment avec les mauvaises personnes dans la mauvaise circonstance et brise tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Saint-Esprit, empêche-moi de me retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, dans les mauvaises circonstances, avec les mauvaises personnes, et brise leurs plans au nom de Jésus. Je brise tout rêve dangereux dont je suis en train de subir les conséquences et je l'annule au nom de Jésus. Je détruis tout rituel d'intronisation à la sorcellerie faite sur mon âme et je supprime son pouvoir au nom de Jésus. Je détruis tout rituel d'intronisation fait sur mon âme et je supprime ses pouvoirs au nom de Jésus. Je brise les paroles qui ont été dites sur moi pour m'initier à la magie noire et je condamne les pratiques qui ont été faites sur moi alors que je dormais à être nul et sans effet au nom de Jésus. Je détruis tout rêve de vol et d'attaque satanique contre mon étoile au nom de Jésus. Je détruis tous les rituels et cérémonies de succession au trône de la sorcellerie d'un membre de famille au nom de Jésus. Il est écrit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je détruis tout rêve satanique et je réclame mes bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rejette toute responsabilité que les sorciers de mon village et de ma famille veulent me confier au nom de Jésus. Je détruis le contrat signé par tout membre de ma famille qui veut que je lui succède dans la sorcellerie et j'annule son influence sur ma vie en rejetant son autorité au nom de Jésus. Il est écrit en Job 5, 12 à 14. Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour et il tentonne en plein midi comme dans la nuit. Je détruis par le sang de Jésus toute chose qui m'a été donnée à manger et j'annule la date de son accomplissement au nom de Jésus. Que toute pratique occulte qui a été faite dans le monde des esprits et qui tourmente mon âme soit brisée et perde son pouvoir au nom de Jésus. Que tout rite satanique fait contre moi dans le monde des ténèbres et qui fait que je me suis vu en rêve en train d'avoir des rapports sexuels soit brisé et annulé au nom de Jésus. J'ordonne que tout démon qui vient s'accoupler avec moi de jour comme de nuit soit enchaîné et détruit pour toujours au nom de Jésus. Que toute force de la sorcellerie qui vient s'accoupler avec moi pour détruire mes chances soit foudroyée et décapitée au nom de Jésus. Que tout agent des ténèbres dans ma famille qui m'a marié spirituellement et qui me combat pour que je ne me marie pas ici-bas soit foudroyé et écrasé par un violent coup de tonnerre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ange de l'Éternel, saisis la tête de tout pouvoir de la sorcellerie qui vient s'accoupler avec moi et arrache-la au nom de Jésus. Seigneur, que le véritable coupable utilisant des différents visages pour m'attaquer en rêve soit foudroyé et brûlé par des éclairs au nom de Jésus. Je brise tout mauvais rêve dans lequel j'étais en train de manger et j'annule le pouvoir de tout ce que j'ai consommé au nom de Jésus-Christ. Je brise toute chose qui a été faite contre moi et qui a fait que je me suis vu en train de pleurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien aimé, comme vous le constatez,
il y a beaucoup de prières. Ce sujet seulement contient plus de des centaines de prières. Alors, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais j'ai eu quand même envie de vous donner quelques points de prière par rapport à cet enseignement. Comme vous le voyez, beaucoup de gens négligent les rêves dangereux et il y a toujours des conséquences quand on est négligent. Alors, s'il vous plaît, à travers ce nouveau livre, Les mauvais rêves, comment les briser, j'ai vraiment voulu vous faire comprendre que il ne faut pas négliger ses rêves, il ne faut pas jouer avec, il ne faut pas s'amuser et il ne faut pas plaisanter avec certaines choses. Bien aimé, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui, c'est-à-dire que les premières personnes, c'est quelques premières personnes qui vont quand même tenter d'avoir ce livre, auront aussi une clé USB contenant les prières du livre. C'est-à-dire que quand tu vas acheter le livre Les mauvais rêves, comment les briser, si tu es parmi les toutes premières personnes à avoir le livre Les mauvais rêves, comment les briser, tu auras aussi une clé USB par rapport aux mauvais rêves. Comment les briser? C'est pas une clé USB comme les autres là, parce que certains vont dire, oh, moi j'ai déjà la clé USB. Non, c'est pas la même chose. C'est par rapport aux enseignements que je suis en train de donner que je vais mettre sur une clé USB pour pouvoir donner à ceux-là qui ont acheté les livres, de sorte que quand ils sont en train de conduire ou quand ils n'ont pas leur livre à côté, ils puissent aussi écouter ça en audio, en vidéo ou je ne sais en quoi. Donc voilà. Vous remarquez que j'ai pris toutes les dispositions pour que les gens soient bénis. Alors, pour avoir ce livre, vous pouvez appeler au 001-438-995-4109. 001-438-995-4109. 001-438-995-4109. Tout simplement, visitez notre site internet au www.océandesgrâces.com. Je répète, www.océandesgrâces.com. Ou bien, si vous n'arrivez pas à bien entendre, allez-y sur Google et tapez océandesgrâces.com ou bien Elogique ici. Ou vous tapez Océan des Grâces, vous allez voir que c'est très facile de me trouver. Ok? Donc, www.océandesgrâces.com ou bien faites lesmauvaisrêves.com. Lesmauvaisrêves.com. lesmauvaisrêves.com ou bien appelez-nous au téléphone et on vous dira comment faire. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai été très heureux. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier, Elogue Ekissi. Bien-aimé, si ce message vous a fait du bien, je vous invite à le partager. S'il vous plaît, ne gardez pas pour vous seul. S'il vous plaît, soyez bénis. Voilà, merci d'avoir suivi.